L'incendie s'est déclaré tôt le matin dans la ville de Oued Souf, au sud-est de la capitale, Alger. Des locaux bouleversés se sont rassemblés à l'entrée de l'hôpital pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Certains d'entre eux n'ont pas pu cacher leur colère. Pourquoi la santé dans cette région est si catastrophique? Quelle en est la raison? Ils ont laissé ma femme enceinte, qui était sur le point d'accoucher, attendre pendant 3 heures à l'entrée alors qu'elle s'ouvrait. Pourquoi? C'est le second incendie dans cet hôpital. Une tragédie similaire avait eu lieu en mai de l'année dernière, mais sans faire de victimes. Cette fois, 8 nourrissons n'ont pas survécu. C'est comme ça que l'on soigne des bébés, mon Dieu. Le gouvernement algérien a lancé une enquête pour connaître les circonstances entourant la tragédie. Les manifestations condamnant les négligences qui ont conduit à l'incendie reflètent les frustrations des locaux dans la région. Je parle à tous les hauts officiels. Honte à vous, nous ne voulons pas de vous. Le feu a été maîtrisé et ne s'est pas propagé aux autres parties du bâtiment. La qualité des services du gouvernement a souvent été une cause de colère en Algérie, en particulier dans les régions situées à l'extérieur de la capitale.